qu'on va retrouver Pépèche avant qu'elle mange un de ces cinglés. Ils se nourrissent que de conserve. C'est très mauvais pour sa digestion. Sur la cible.
Qu'on en a fini ici. Tu peux toujours fabriquer de la dynamite. La bonne nouvelle, c'est que les gens du coin ont stocké tout le matériel qu'il te faut. T'as juste à te servir. Et au boulot!
J'arrive. J'y vais. Je bouge pour trouver une meilleure vue. Bien compris. Les trois pluviaux font l'aller-retour sans arrêt. Vous allez le regretter. Vous pensez pouvoir me faire une y passer mes journées. On peut même plus sortir sans armes maintenant. Putain de fanatique. Ceux qui suivent la voie le font parce qu'ils l'ont décidé. C'est un bon début. Imaginez comment les disent comme vous. Ces pèlerins souhaitent le salut. Je t'interdis de les importuner. Si Face te veut, elle t'aura. Merci. Sans toi, on était vraiment foutus. Jour. La prison du... T'as été libéré, c'est grâce à toi. Il suffit de s'arrêter deux minutes pour voir à quel point le monde est beau. Eh ben, on peut dire que tu tombes à pic. Tu sais piloter un hélico. Adelaide Drubman, ravie de faire ta connaissance. C'est gentil de m'avoir aidé à récupérer ma marina, mais j'ai un autre problème, Trésor. Ces enculés de fanatiques ont piqué mon tulipe. C'est l'engin le plus rapide de ce côté du Montana, et j'ai pas l'intention de laisser ces raclures de bidets me le voler sans rien dire.
Je l'ai reçu pour mon divorce, cet hélico, en toute légalité. L'espèce de bite dégénérée qui me l'a volé l'arpent avec cette horrible couleur mayonnaise des tarés. Alors pour le retrouver, tu vas devoir identifier le pilote. Ça devrait être assez simple. Tous les autres hélicos du coin sont pilotés par des femmes. Avant, les week-ends, on volait ensemble. Mais notre amitié est partie en couille quand ces pauvres débiles ont rejoint Eden's Gate. Alors ça me dérange pas si jamais tu leur exploses la gueule par accident. Qu'est-ce t'en dis, Trésor? Aide-moi. Et mon Tulip et moi, on viendra te chercher quand tu voudras. Les survivalistes, quelle blague. C'est juste des guignols qui jouent à la guerre. Merci d'avoir aidé mes amis dans la prison. Je suis pas juste un vrai canon. Je sais aussi réparer les hélicos. Démon!
bien, monsieur? Nous méritons tous de croire en nous. Hey! Venez me parler! Oh, Jésus! Je vois que vous avez trouvé les hôtels que Faith a construits. Il y en a tout au long de leur pèlerinage à la camp. Et il y a toujours un troupeau de cinglés autour, à se toucher la nouille sur Joseph. Vous pourriez les calmer un peu? Réduisez tous leurs hôtels en poussière. Je vois un pesteur!
Allô? C'est... Putain de merde, Junior. Ça enregistre, là? Ouais, ça marche. Tu te débrouilles bien, papa. De rentrer chez eux au plus vite. Si vous avez de la famille dans ces régions... Je pensais pas que ces salauds reviendraient aussi vite. Nom d'une paire de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. Je bouge, ouvre-moi!
c'est une blague ou quoi? Juste quand on venait de récupérer... Bon, alors. Bon sang. J'ai le compteur qui s'emballe, là. Bon, alors. Je reprends. Nom d'une paire de miches en silicone. T'arrives pile à l'heure pour les réjouissances et tu me rapportes mon tulipe en un seul morceau. Je tiens toujours parole. Donc, si t'as besoin d'un pilote capable de dégommer les noix d'un écureuil à 15 mètres, n'hésite pas. Appelle-moi quand tu veux. Sauf au coucher du soleil. C'est l'heure où Xander fait son yoga. Et j'aime bien regarder. Tu sais pas ce que tu rates si t'as pas vu son petit cul en posture du chien. Oh. Enfin, encore merci, lapin. Je te revaudrai ça. Salut, trésor. On va raconter des trucs sur moi. Adélaïde Dropman. Ça, c'est une sacrée bonne femme. Elle est douée avec les flingues et elle se déplace toujours avec son hélicoptère. C'est une recrue de joie. Ah, oh, mais regarde ce désastre écologique. Faut arrêter ces malades. Faut qu'on ait un petit tête-à-tête. Grâce, putain. Cauchemar. Bienvenue dans la grâce. Tu ne comprends pas ce qu'on essaie de bâtir? Ou bien ça t'est égal? Je te vois courir dans tous les sens et t'en prendre à des gens qui ne t'ont rien fait du tout. Ils sont en paix ici. Ils veulent y rester. Je sais bien que tu as des doutes. Mais cette histoire n'a qu'une fin possible. Et tu ne pourras rien y changer. Tes amis au dehors. La peur les contrôle. Ils ne comprennent pas. Mais lui, oui. Il te montrera. Salut, gamin. Allez. Allez, ça va aller. Je sais que tu es venu me ramener. C'est bon. Elle sait. Tout le monde sait. Je sais que tu penses bien faire. Tu penses que j'ai besoin d'être sauvé. C'est fou. Je n'ai pas envie de rentrer. Jamais. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir au sens de ta vie? Je veux dire, au sens que tu lui as donné. Tu sais, on nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, pas vrai? Chanteur populaire, sportif émérite, star de ciné. Le succès est à portée de main, quoi. Mais non. C'est des conneries. On a des vies sans aucun intérêt. On fait seulement ce qu'on nous demande de faire. Encore et encore. Tout le monde pense pouvoir faire des choix. Mais c'est faux. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose par choix, hein? Juste pour toi. Non, non. On vit pas nos vies. Mais la leur. Et on croit tous être libres. Mais ça, c'est qu'un mensonge. Une illusion. Putain de merde. J'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. Je te le dis, moi j'ai plus du tout envie d'obéir. Je refuse d'accepter sans broncher.
et je veux plus être celui qui ramasse les ordures. J'en peux plus. Parce que... si c'est ça la vie, alors à quoi bon? Ici, j'ai enfin eu l'occasion de ressentir ce que je ne pensais jamais pouvoir connaître. Le bonheur. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même bien ça le plus important dans la vie. Le bonheur. Méfie-toi de la grâce. Tu dois retrouver le marshal. Maintenant, il faut pas que le marshal franchisse ses portes. Récupère le marshal. Vite, tu dois le sauver. Laisse-le tranquille! Tout va bien. Merde, Tracy, amène-toi avec les sols. Du calme, peur, regardez-moi. Respirez. Non. Peur, nom de Dieu, arrêtez. Ok, c'est juste pour vous soigner. Non, pas de dog. Laissez-vous ça. Vous ne sortirez pas de la grâce comme ça. Messieurs, je peux, chérie. Très bien. Vous en prie. Allez. Je suis pas. Je suis clean. Tout va bien. Laissez-moi tranquille. Très bien. Allez-y. Allongez-vous. On reste calme. Vous auriez pas dû l'amener là. Tracy vous emmerde. J'ai dit que c'était pas une bonne idée. Je l'ai dit et redit depuis le début. Vous la connaissez pas. Elle peut rentrer dans votre tête. Je vais lui parler. Avant, je chassais pour un taxidermiste. J'avais un dollar par écureuil. Ça doit faire 10 ans que la prison est fermée. Oh ben merde alors. J'en reviens pas que t'aies pu sortir le marshal de la grâce. Face va pas se laisser faire. Elle va se rappeler à ton bon souvenir. Sois sur tes gardes. Content que cette petite forteresse soit toujours debout. J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide dans l'ancienne mine de radon. Je suis allé voir et un connard avec une caméra m'a dit que j'avais saboté la scène. Putain! Et qui fait encore des films aujourd'hui? J'espère qu'il se fera bouffer par un ours. J'ignore combien de temps on tiendra encore. Bravo pour la prison, mec. Bonjour, monsieur.
Non, c'est Jess. Jess Black. T'as raison. J'ai bien mérité de faire une pause. Thank you.
quoi dîner. Merci beaucoup. J'ai commencé à voir ma vie défiler devant mes yeux. Springs Hotel. On va pouvoir utiliser ce vieux bâtiment pour se protéger, même si ça risque de faire peur à certains. À ce qui paraît, il sera hanté. Mais j'ai jamais trop gobé ces histoires de bonnes femmes. Enfin bon, continue comme ça. Merci pour ce que t'as.
davantage qu'on ne le croit. Et on va vous sauver. C'est vraiment une grande merde. Faut m'aider. Merci, officier. Je tenais à être le premier à te remercier. T'as réussi à retrouver tous nos disparus. Va falloir que j'arrête de te parler comme une recrue. C'était pas rien, ce que t'as fait. Super boulot, officier. Au secours! Merci beaucoup. J'ai vraiment cru que c'était fini. Si je me barre ici. J'ai bien cru que j'allais finir dans un bunker. Merci. Du calme. Merci de m'avoir sauvé. Je suis le docteur Charles Lindsay. Je fais partie d'un groupe de gens qui sont à la prison, au sud d'ici. Ça fait des jours que Face et ses anges essaient de nous attaquer. J'étais sorti chercher un moyen de les arrêter quand la secte m'a trouvé. Je crois que j'ai trouvé quelque chose pour attirer les anges. Les ingrédients pour l'appât sont dans mon sac, et la secte l'a jeté dans les temps. Et, je sais pas nager. Je sais, c'est un scandale. Mais j'ai besoin de ce sac. J'ai trouvé la fibre ! Sans rien faire à regarder la secte massacrer des créatures sans défense.